on the bone. All the shines of the same old worsen. I still walk alone in the city, making me an offer in a daily reading a cinema. Now I should hold the noise of attraction beats out on the street. The sellers do mark out better than telling them all. Don't stop that jerk. They don't bite. All that matters, you're not here tonight. And now I wonder, am I gonna dig a hole to feed? I'm the sea, I'm the me, I'm the you, I'm the we, I'm divided, I'm deciding. If I only knew what I could do to make you love me. If I only knew what I could do to make you love me. Alors, Diana? Diana? Quoi? Tu vas pas nous corriger, là? Non, c'était parfait, bravo. On reprendra ça demain. Elle a rien regardé. Diana. Tiens, salut, Juan. T'as deux minutes, j'aimerais te parler. Ça tombe bien, moi aussi. Ah. Non, je veux simplement que tu saches que... aujourd'hui, les choses sont plus claires dans ma tête. C'est pareil pour moi, Juan. J'ai passé la nuit à tourner dans mon lit en repensant à tout ce que tu m'as dit hier. Et? Eh bien, pour être franche... tu m'as prise complètement au dépourvu, c'est vrai. Je m'attendais à tout, sauf à ce que tu me demandes de revenir sur ma décision. Eh oui. Je sais ce que tu ressens. Je suis vraiment désolée. Non, 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 tu rigoles. Tu n'as pas à être désolée. Au contraire, mieux vaut tard que jamais, non? C'est-à-dire? Je viens de te l'expliquer. Si tu veux vraiment que j'abandonne l'idée de m'en aller, ben, si tu étais sincère, je suis prête à rester si ça peut te faire plaisir. Mmh. Ben justement, c'est de ça que je voulais discuter avec toi, parce que je crois que le mieux c'est... Quoi, ça va pas? Non, quoi? Ça va pas, ça fait un mal de chien, Juan, je crois que j'ai des contractions. Déjà? Bon, je t'emmène à l'hôpital. C'est fou ça, ça devient comme ça d'un coup. On était tous avec toi, tu sais. Salut, ça va? Merci, Lastico. T'en aurais fait autant pour moi. Ça, mon vieux, c'est toi qui le dis. Ton col. Heureusement que t'es là. Comment ça t'est venu, cette idée? Je l'ai vu dans un film et ça m'a inspiré. Excuse-moi. Allô? Cristobal. La plainte a été retirée, tu le savais? Ouais, je suis au courant. Alors essaie de penser à tes examens maintenant. Ouais. Dis-moi, tu crois que les gens vont oublier cette histoire? Enfin, je veux dire, les gens de la profession, c'est vrai que j'ai pas vraiment démarré du bon pied. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu vas devoir travailler dur. Je sais pas si ça en vaut le coup. Roberto. À partir d'aujourd'hui, ce qui va t'arriver ne dépendra que de toi et ton travail. Le travail, c'est la clé de la réussite, la baguette magique.
Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Ah, mais j'y crois pas, c'est pas peu... Allô? Ah, allô? Ça a pas l'air d'aller. Je viens de me faire virer de la série. Mais pourquoi? Je me suis servi des caméras sans permission. Bonjour. Bonjour. Tiens, les horaires d'examen du cours d'activité spéciale. Je vais immédiatement les afficher sur le panneau d'information. Super. Attends, Gigi, jette donc un petit coup d'œil au courrier. Je crois que tu as reçu une lettre. Merci. Au fait, tu es content du home cinéma? C'est fabuleux comme matériel. Je me suis mis une opérette hier soir. Tu n'imagines pas la qualité du son que j'ai eu. Un régal. Antonio? Oui? Alors, tu as les dates des examens, ça y est? Oui, et les horaires aussi. Vous les trouverez là, derrière, sur le tableau d'affichage. Regardez. Il ne me reste plus qu'à compléter avec les horaires des partiels de Gigi. Elle vient juste de me les donner. À propos, on n'a pas pu fermer l'œil de toute la nuit. C'est vrai, ça, tu avais mis la télé à tue-tête. À tue-tête? Vous entendiez vraiment tout? Oui, plus ou moins. Surtout les soupirs. Remarque, vu la qualité des dialogues, tu aurais pratiquement pu le regarder sans le son, non? Une opérette. Hein. Mm. Salut les filles. Bonjour, Pavel. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'inscris aux épreuves d'admission. Mais enfin, quelle épreuve? De quoi tu... Les inscriptions sont ouvertes. Oui, effectivement. Maintenant, reste à savoir si le ballet te réussira mieux que l'éponge. J'en suis certain. Explique-moi, parce que là, je comprends plus rien. Tu m'avais dit que tu partais pour toujours, oui ou non? Écoute, Lola. Pour une fois que j'ai un peu d'argent de côté, je vais tenter ma chance, autant en profiter. Et puis surtout, tu es là, toi. Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Tu le sais très bien. Bon, viens par ici. Écoute, Pavel. Tu es un artiste, tu es naturellement doué. Quel besoin as-tu de venir ici à apprendre ce que tu sais déjà? Et n'oublie pas que tu as déjà ton cours de salsa et que les épreuves d'admission dans cette école sont très difficiles. Lola. Et puis entre nous, je te vois pas du tout avec des guêtres ni des colons d'ailleurs. Je vais tenter le coup. Et tant mieux si c'est difficile, j'aime bien les défis. Tiens, voilà la fiche d'inscription. Il suffit de la remplir. Comment ça va? À merveille. Je peux pas bouger jusqu'à la naissance de l'enfant. Ne pleure pas, ça va aller. T'es quand même pas la première femme enceinte à qui on prescrit du repos. Je sais pas quoi faire. Juan, j'ai si peur de perdre le bébé. Je sais pas où aller, j'ai personne, je suis seule. Viens à la maison. T'as eu assez de problèmes par ma faute, c'est pas la peine d'en rajouter. Allez, arrête, dis pas de bêtises. Tu vas venir à la maison. Et je veillerai sur toi, d'accord? De toute façon, t'as pas le choix. Excuse-moi de te déranger. J'ai enlevé toutes mes affaires du bureau, ça y est. Je te remercie. Et j'ai également déposé sur le tien la liste complète des demandes d'inscription. Combien en tout? J'en ai compté moins que l'an passé, ce n'est pas étonnant. Les nouvelles vont vite, le bruit court déjà que ce n'est plus l'école de Carmen Arantz. Il faut y croire, Alicia. Je suppose que... le plus dur, ce sera de passer le cap de l'an prochain, et après, tout sera plus facile. Au train où vont les choses, on ne sera peut-être plus là l'an prochain.
peux pas mettre tes pieds froids ailleurs, tu me donnes la chair de poule. Oh. Mais arrête de remuer ou je vais vomir. Et j'arrive pas à trouver ma position. C'est normal, je suis troublé, c'est la première nuit qu'on passe ensemble. Eh ben c'est pas gagné. Non mais si tu préfères, je peux aller dormir sur le divan, comme ça t'auras plus de place. Ah, tu peux rester. Tu me déranges pas. C'est trop gentil de ta part, on est quand même dans mon lit. Tu sais ce qui va pas. Mon pyjama me sert. Moi, j'y crois pas. Je suis désolé. La nuit, d'habitude, je porte seulement le haut. Ça t'embête si je m'enlève? Pourquoi tu glousses? Hein? J'en porte pas de moi non plus. Non, t'es sérieux? Mais oui, je te promets, j'ai hors de ça. Mais pourquoi tu m'as rien dit alors? J'étais mort de honte, moi j'ai pas osé. Et moi, c'est pareil. Chut, tais-toi, c'est Gaspard, je le connais. Après, il va penser qu'on fait la fête ici. Ouais. Bon, je l'enlève et on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas non? T'enlèves rien du tout. Bon, allez, quoi, fais pas ton timbre. Remets-moi ça tout de suite. C'est une chose que j'enlève le bas, c'en est une autre que deux hommes dorment dans le même lit avec les fesses à l'air. T'inquiète pas, je te manquerai pas de respect. C'est pour toi que je m'inquiète. Un homme au lit a des pulsions d'homme. Lumière. Arrête de tirer toute la couette de ton côté. Je suis gelé. Et Diana, elle va rester combien de temps chez nous? Ça, c'est le médecin qui décidera. Au pire, jusqu'à l'accouchement. Bonne nuit. Quand je pense à toutes ces nuits qu'on va devoir passer ensemble, ça promet. Oh, tu vas pas recommencer avec tes pieds gelés, Juan, mets-les ailleurs, bon. T'es qu'à te pousser, tu prends toute la place. Il n'y avait pas d'autres serviettes en papier dans le tiroir, des plus jolies avec des petites fleurs de toutes si, les couleurs. Si, c'est Gaspard qui les avait achetées. Mais le paquet est vide. Elles t'ont servi de Kleenex pendant ton dernier rhume. Hein? Tu racontais à Ingrid que tu avais ramené. Elle est pas au courant, j'ai pas pu lui en parler. Et puis il a fallu gérer l'urgence, alors j'ai pas eu le temps. Non. Si tu veux mon avis, elle va pas sauter de joie. À sa place, moi je l'aurais mauvaise. Tu t'es fichu dans un beau pétrin. Franchement, je voudrais pas être à ta place quand tu lui annonceras. Dites, ça vous ennuierait qu'on parle un peu d'autre chose que de mes problèmes? Bon. Bon, mais les garçons, c'est l'heure, je m'en vais. Attends, je viens avec toi. Tiens, avec une touche de couleur, ce sera plus gai. Ah, au fait, dites à l'école qu'aujourd'hui j'arriverai en retard pour raison personnelle. Ouais, ça marche. Ciao. Salut. Et surtout, Diana, n'hésite pas, si tu as besoin de quoi que ce soit... Si tu fais des courses, il me faudrait des protège-slips. D'accord. Des protège-slips? Ah ouais, bon, je verrai ce que je peux faire. Pour madame, un thé léger, sucré, un jus de fruits et quelques toasts légèrement beurrés. Ah, j'ai fait exprès de pas trop sucrer parce que c'est plus sain comme ça. Merci, c'est gentil. Juan, tu sais, je peux me débrouiller, t'es pas forcé de rester. Oh, ça je sais. Si je reste là, c'est parce que j'ai promis à Cristobal et à Gaspard de remettre un peu d'ordre dans la maison avant qu'ils rentrent. Bon, ça ira comme ça, je vous remercie. Merci. Nous vous rappellerons. Ces épreuves d'admission sont un fiasco, le niveau est désastreux. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai rayé tous les noms de ma liste. Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens absente. Tu n'as pas l'air de te rendre compte que nous ne sommes que deux. Les autres fauteuils sont désespérément vides. Résumons, Diana est en congé maladie, et Juan, Cristobal et Gaspard n'ont pas voulu venir, et ils ont parfaitement le droit. Allez, tâchons d'en finir rapidement avec ça. Et espérons que les meilleurs restent à venir. Suivant. Pavel Rodriguez. Numéro 69. Bonjour, je vous signale que la tenue que vous portez n'est pas des plus adaptées. Oui, je sais, mais c'était la seule que j'avais. Mais je le connais, c'est... Oui, c'est le cuisinier, mais après tout, il n'est pas exclu qu'il ait d'autres aptitudes. Enfin, je veux dire, comme danseur, ça va de soi. Comment vous appelez-vous déjà? 69, madame. Pavel. Pavel Rodriguez. Il est super malade. C'est ça, tu l'as maintenant, il manque toute chose à faire.
Gaspard, j'en ai pas pour longtemps. J'ai besoin que tu me signes ce bon de commande. Demande ça à Adela, Antonio. Je ne suis plus le directeur des études. Les élèves de première année sont convoqués à 16h en salle de classe pour l'examen de danse contemporaine. Vous êtes prête pour l'examen de moderne? Tu veux rire, c'est la cata. Mais non, ça va marcher. Diana n'est pas en état de nous recaler. Les filles! Oui? Sylvia, c'est pour toi. Le nouveau catalogue fashion de la rentrée. Fashion? J'ai déjà du mal avec ma langue maternelle, alors fais-moi grâce de l'anglais. Ah, ce n'est pas tout. Il y a aussi ce courrier qui vient d'on ne sait où, comment devenir millionnaire en à peine une semaine. Ça, je parie que c'est pour vous. Allez, donne-moi. Et enfin, ça. Une dernière qui vient de... adresser à... Ah ben, c'est pour toi. Merci. Alcala Meco, c'est Alvaro. Tu vas la lire après tout ce qui s'est passé? Je sais que je n'ai pas le droit de te parler. Mais depuis que je suis là, j'arrête pas de penser à toi. Pardonne-moi, Sylvia. Ici, tout va bien. Mais j'aimerais beaucoup te voir. Méfie-toi, c'est pas un garçon fréquentable. Il n'a réussi qu'à t'attirer des problèmes. Je crois que tu devrais faire une croix sur lui, ça vaut mieux. Oublie-le. Oui, t'as raison. Ça coûte rien d'essayer. Adela! Attends, Adela! Oui, une minute et un peu de calme, on vous entend de loin. Je ne t'embêterai pas longtemps, j'ai juste besoin toujours que la dernière arrivée. De bonnes commandes. Mais Antonio, je ne suis plus la directrice des études. Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Vous allez vous calmer, oui? Cette série, c'est le meilleur boulot que j'ai jamais eu de toute ma vie. Faut plus que tu te prennes la tête avec ça, Lastico. On est trop fort pour eux et puis c'est tout. Mais je sais que toi, tu t'en fiches, mais moi, je comptais énormément sur ce fric. T'en fais pas, il nous reste la tournée. Tu sais, moi aussi, j'ai besoin de me changer un peu les idées après toutes les galères que j'ai eues. Tu vas voir comment on va s'éclater sur scène tous les deux, mon Pedro. Justement, on parlait de toi. C'est pour quand la tournée mondiale, Geronimo? Pour l'instant, ça ressemble plus à une excursion qu'à une tournée. Tous les concerts ont été annulés. Mais vous en faites pas, je prends les choses en main. Attends, vieux, t'avais pas dit que toute la saison était planifiée, bouclée avec engagement garanti? Si, mais depuis, il y a eu toutes ces nouvelles têtes qui ont débarqué au hit parade et du coup, on s'est fait doubler. Et vu qu'on se bouge pas tellement les fesses... Mais on est censé faire quoi, nous, alors? Écoute, Pedro, j'ai autant envie que toi que cette tournée se fasse et je me démène comme un fou pour ça. Alicia, il faut absolument que vous me signiez... Tout à l'heure, Antonio. Une petite signature, c'est pas grand-chose. Alicia! Et voilà, si ça continue comme ça, je parie que demain, ça va me retomber dessus. Salut, Cristobal. T'as pas vu Juan? Juan, non, je l'ai pas vu depuis hier. Et à l'appart? Ah oui, j'ai failli le voir, seulement comme je me suis levé de bonne heure, je l'ai manqué. Bon, c'est pas grave, je pense à l'examen de Diana. Ouais, ça marche. Ciao. Elle va le mettre en pièces. Ça se pourrait. Où est Diana? Elle est pas arrivée. C'est bon, t'es prête? À moi, cet examen, je suis contente de le passer. Non, mais je rêve. Elle est sérieuse ou elle nous fait marcher, à ton avis? Bonjour. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Et Diana? J'en sais rien. Ne dis pas que c'est ta tante qui va nous faire passer l'examen. Ne dis pas n'importe quoi. Bonjour à tous. Diana est souffrante. C'est donc moi qui m'occuperai de ce cours, y compris de l'examen. Maintenant, je sais où est Juan. Commençons. Premier groupe. Get up, you're never gonna get me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna get me down.
Personne n'a pensé à nous ravitailler en sucre? Moi, non. Passe encore qu'on n'ait pas de harnais, mais du sucre, enfin bon. On n'aura bientôt plus ni stylo, ni papier. Gaspard, tu as corrigé les examens de première année? Tu es redevenue directrice des études? Non, je te demande ça par curiosité. Dis-moi tout. Rassure-toi. Martha a eu la moyenne. C'est vrai? Oh, c'est génial. Mais attention, il s'en est fallu de peu qu'elle n'échoue. Heureusement qu'à la fin, elle s'est reprise en main. Elle a aussi obtenu la moyenne dans mon cours. C'est une bonne nouvelle. Dis-moi, tu n'aurais pas la note de Cristobal? Non, je n'en ai aucune idée, mais t'as qu'à lui demander, il est là. Bonjour. 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 Je ne vous retiendrai pas longtemps. Sachez seulement que l'absence de Diana ne pouvait pas tomber plus mal. Bien que nous ayons avancé la date des épreuves d'admission, il y a moins de candidats que les autres années. C'est normal. Avec les rumeurs qui circulent, beaucoup attendent la dernière minute pour s'inscrire. Oui, malheureusement, sans inscription et avec le déficit que nous avons, on tiendra au mieux 6 mois. On pourrait tourner un spot de pub pour promouvoir l'école. Avec quel budget? Notre priorité absolue est de comptabiliser un maximum d'élèves l'an prochain. À tout prix. Et cela concerne les élèves actuels comme les nouveaux venus. Est-ce que tu nous suggères d'abaisser le niveau? Je dis juste que nous gagnerions à faire preuve d'un petit peu plus de flexibilité. Mieux vaut ça que la clé sous la porte, non? Donc l'an prochain, celui qui paye rentre. Je n'ai pas dit que nous devions bâcler notre sélection. J'ai juste parlé de flexibilité. Plus ça va, moins j'ai envie d'enseigner dans cette école. De mieux en mieux. D'abord l'éviction de Carmen, et maintenant ça. Tu voulais rendre l'école digne de sa réputation auprès de nos pères. Pardonne-moi, Alicia, mais c'est toi qui n'es pas digne de t'asseoir sur cette chaise. Gaspard, pour moi, le plus important, c'est l'école. C'est ma seule priorité. Mais si tu as une meilleure idée, parle. Procédez comme vous voudrez. Mais attendez-vous à un retour de flamme. Quand les professionnels se rendront compte que les élèves qui sortent de cette école ne savent même pas monter sur scène... Je suis ravi de m'en aller. Je vous souhaite bien du plaisir. Bon, eh bien, si vous n'avez plus rien à ajouter, je vous laisse, j'ai cours. Faut pas te rendre malade pour ça, on va bien trouver quelqu'un pour nous engager. Tout finira par s'arranger. Ouais. Ah bah, je préférais que mon téléphone ne sonne pas aujourd'hui. Ah ben voyons. Allô? Ouais, l'hôtel de ville de Alcamol, ouais. Ils ont préféré annuler? Ah, je comprends pas, j'ai envoyé tous les papiers pourtant. Ah oui, tous ceux qui m'avaient demandé, absolument. Ça va comme vous voulez? Oui, et toi? Ça va. Ça y est, je suis pris. Mais arrête, ça va pas! Je suis reçue, là, je suis reçue. Repose-moi tout de suite, lâche-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Explique-toi. Je suis admis à l'école. Mais tout! Oui, je voulais aussi envoyer par fax, je vous... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a été reçu aux épreuves. Merde. Désolé, c'est pas à vous que je parlais. Ou plutôt si, ça s'applique à vous aussi, espèce d'abruti. Bravo, toutes mes félicitations. Quoi, c'est tout? Tu plaisantes? Ça, c'est pour les félicitations, et ça? Parce que c'est toi qui m'as inspiré. Sans toi, j'aurais jamais été admis. Tu es ma muse. Et maintenant, je vais chercher mon casier. Chaton. Dis donc, pour info, t'es en train d'ouvrir mon casier, là. Celui-là? Oui. Antonio m'a donné le numéro 34. Et il m'a dit que ce serait le mien. Non, 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 y a forcément erreur, vu que celui-là, c'est le mien, c'est marqué là, en toutes lettres. Géro. Alors t'enlèves tes affaires de là, et vite. Ça va pas, y a pas de quoi se fâcher. J'ai une idée, puisqu'on nous a confondus, on n'a qu'à partager. Quoi? Comment ça? Tu veux qu'on partage, toi et moi? Ouais. Mais je crois qu'on s'est pas bien compris tous les deux. Ça, c'est mon casier, il est à moi, il y a personne d'autre. Et mon sac, je le mets où? Nulle part, on va d'abord voir Antonio, c'est lui qui décidera. Mais attends. Je vais tout lui dire. Géro! Ouais? Assieds-toi et tais-toi. Tu le fais exprès ou quoi? Non, rien. Tu peux y aller. Bien. À tout à l'heure. Ça t'ennuie pas de surveiller mon sac? Compte sur moi. C'est malin. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que tu as offert à ton copain cubain une belle nuit d'adieu, mais que ça compte pour du beurre vu qu'il allait partir? Redescends un peu sur terre. Je suis en train de devenir folle. Et le pire, c'est que maintenant, je vais le croiser tous les jours dans l'école. Oui, et alors? Tu es avec Géraud, non? Évidemment, pour toi, c'est facile.
Mais pas pour moi, figure-toi. Moi, j'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Eh ben, tu vas l'apprendre. Je ne plaisante pas, Lola. Si tu as l'intention de rester avec Géraud, ne lui dis rien. Les mecs ne comprennent pas ce genre de finesse. J'ai pas raison, Ingrid ? La sincérité est quand même à la base de toute relation. Super. Merci de ton aide. Fais comme tu veux, mais moi, si j'étais toi, je pèserais le pour et le contre avant de me lancer. Tiens, tiens, moi qui pensais que mes affaires ne t'intéressaient plus. Tu as mis un zéro, Martha ? Oui, donne. Comment as-tu pu faire ça ? Si tu veux m'expliquer comment gérer mon cours, vas-y, te gêne pas. C'est drôle, hein. Comme par hasard, ça arrive juste après que notre relation ait empiré. Je te jure que ça n'a rien à voir. Dès qu'il s'agit de Martha, tu te voiles la face. Admets que c'est quand même un peu gros comme coïncidence. Bon sang, c'était la seule matière qui lui manquait pour être admise. Comme par hasard, c'est la tienne, et comme par hasard, il faut qu'elle se plante, ce qui veut dire que par ta faute, elle va se faire mettre à la porte. Martha a bénéficié de la même chance que ses camarades, et elle ne l'a pas saisie. Exactement la même chance que ses camarades, tu en es sûr ? C'est bizarre. Alors même que nous devons par ordre d'Alicia Raoregui nous montrer indulgents avec les élèves, nous le sommes avec tous, sauf bien sûr avec Martha Ramos. Quelle coïncidence. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mon barème est exactement le même pour tous, et à ma place, tu aurais fait exactement comme moi. Tu te moques totalement qu'une élève de ta classe qui est fragile psychologiquement et qui suit une thérapie se fasse virer de l'école. Tu veux savoir ce que je pense de toi ? Adéla, Martha ne s'est pas présentée à l'examen. Et ses camarades le savent bien. Alors qu'est-ce que t'aurais fait, toi ? Bravo, Lola. Mais t'as lâché prise une ou deux fois sur le refrain. Oui, je sais. C'est parce que j'ai un peu de mal avec l'anglais. Ouais. Ah, c'était très bien quand même. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, vous aurez vos notes. Merci. Ouh, c'est fini. Mais... Ah, fais pas ça, j'aime pas. Où t'étais passé ce matin ? Ce matin ? Ouais, ce matin. Ce matin, j'étais avec Diana. Je le savais, c'était pour voir si t'allais me mentir. Lara Origi nous a dit qu'elle était malade. C'est pas trop grave ? Non, le médecin lui a recommandé le repos absolu. En tout cas, si tu dois aller la voir ou l'accompagner à l'hôpital, ne te fais pas de soucis pour moi. Ça tombe bien que tu me dises ce genre de choses, parce que... Diana est à la maison, Ingrid. Elle s'est installée chez nous. Est-ce que vous vivez ensemble ? Non. Seulement, comme le médecin lui a formellement défendu de se lever, ça m'a semblé être la meilleure solution. Mais ça va pas durer, c'est qu'une question de jours. Combien de jours, Juan ?
Bah, j'en sais trop rien. Ça dépend, Ingrid, le temps qu'il faudra. Combien de jours? Mais j'en sais rien, ça dépend du médecin, c'est lui qui décide. Et moi, j'ai l'impression que tu le sais très bien. Rohan, combien de temps répond? Bah, probablement jusqu'à la naissance. Diana est mon amie, Ingrid, je peux quand même pas lui refuser ce service. Non, non, tu peux pas, bien sûr. Et à moi? Tu pourrais me refuser un service? Calme-toi. Excusez-moi. Parce que je vais t'en demander un de service. Je veux qu'elle déménage. Tu peux pas me demander ça. C'est impossible. Tu me le paieras, Rohan. Les menaces. Ah, tout de suite, les menaces. Alicia. Alicia. Oui? On vient de recevoir ce fax. Il y a votre nom marqué dessus et ça avait l'air urgent, alors... Antonio, pouvez-vous le laisser sur mon bureau? Je verrai ça après. Pour l'instant, j'ai cru. Oui, évidemment. Je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. La visite médicale aura lieu aujourd'hui à partir de 18h à l'infirmerie. Munissez-vous du questionnaire qui vous a été remis. Ça va. J'ai pas à me plaindre. Ça pourrait être pire. Je participe à des ateliers. Ça occupe l'esprit et le temps passe plus vite. D'ailleurs, je me suis découvert une passion pour la peinture. C'est pour quand le jugement? Isabelle, l'avocate, m'a dit qu'il fallait que je patiente au moins 2 bons mois. J'ai pas le choix. S'il te plaît, la prochaine fois que tu viendras, apporte-moi une photo. Comme ça, je ferai ton portrait. Et toi alors? Ça va à l'école? Bien. On est en période d'examen, mais ça va bien, oui. Je m'inquiète pas pour toi. Tu vas faire un carton. Alvaro, est-ce que tu veux quelque chose? Non. Tout va bien. S'il te faut quoi que ce soit, demande-le-moi. La prochaine fois, je t'apporterai du linge propre ou autre chose, n'importe quoi. N'hésite pas, surtout. Puisque tu insistes, j'ai une idée. Ce qu'il me faudrait, c'est une machine à remonter le temps, Sylvia. Comme ça, je pourrais revenir en arrière. Et tant que j'y pense, une petite lime pour les barreaux, ça serait pas du luxe. Bon, je dois y aller. Tu as mal? Non, non, ça va, t'inquiète pas, c'est rien. Et qu'est-ce que t'as? Rien du tout. Non, ça va, je t'assure. Fais voir. Qui t'a fait ça, Alvaro? Sylvia, fais-moi sortir d'ici. Fatigué? Hein? Je crache. Je te sens stressé. Détends-toi un peu. J'arrive pas à me concentrer. Ça va aller. Tout se mélange, je retiens rien. J'ai l'impression que ma tête est pleine. Relax, il n'a plus pour très longtemps. Les partiels sont bientôt finis, crois-moi, tout se passera bien. J'ai envie de passer toute une journée avec toi. Comme à Londres, tu te rappelles? Seuls, tous les deux. Ah oui. Oui, ce serait bien. Oh, c'est pas vrai! La chambre! Oh. C'est un vrai bazar, regarde, c'est pour ça que je suis pas concentrée. Tiens, le disque d'Avril Lavigne. Il est super, on l'écoutera plus tard. Lola, essaie de te calmer, t'es hyper tendue. Allez, viens là, on rangera tout à l'heure. D'accord? D'accord. Mmh.
Giro, laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Il faut que je te dise quelque chose d'important. On en reparle tout à l'heure. Non, Giro, non. Non. On verra ça après. Ne me laisse pas dans cet état. Je t'écoute. J'ai couché avec Pavel. Je regrette. Je sais pas comment c'est arrivé, on a passé beaucoup de temps ensemble et... puis au fur et à mesure, on s'est retrouvés. Je suis désolée, Giro. Je te demande pardon. Comment j'ai pu être idiot à ce point-là, Lola? Ça s'est passé sous mon nez. Et dire que je me suis douté de rien. Giro! Attends. C'est avec toi que j'ai envie d'être. Bonsoir, Antonio. Carmen. Je sais qu'il est très tard pour une visite surprise, mais... quel bon vent. Pardonne-moi, je sais que j'aurais dû t'appeler avant de venir par correction, mais je t'avoue, j'en ai pas eu le temps. Tu es toujours le bienvenu dans ma maison. Alors, je te remercie, mais c'est la première fois que je viens ici, tu sais. Ah oui, c'est vrai, ça. Ah, tu as raison, Antonio. Après toutes ces années, c'est curieux. Hein. Non, attends, pas par là, Antonio. C'est par ici, viens. Merci, Carmen. Tiens, c'est pour toi. Lis. Je n'ai pas à lire ce fax, Antonio. Il est pour Alicia. Tiens, reprends-le. Tu dois à tout près être mise au courant. Ils vont fermer l'école. À présent, il n'y a plus aucun doute. Merci, en tout cas, de m'avoir averti. Oh, pardonne-moi, je manque à tous mes devoirs. Est-ce que tu voudrais boire un café ou une petite bière? C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu m'offres une bière. Tu t'attendais à quoi? Je suis extrêmement occupée ces temps-ci. J'ai beaucoup de projets pour l'avenir. Ouais. Je vais te laisser à tes projets, tu m'as l'air débordé. Dans le fond, ça m'est égal à moi qu'ils ferment l'école ou non. Je suis tout prêt à prendre ma retraite avec ma pension et l'argent que j'ai remporté à la loterie. Je suis à l'abri du besoin, ça ira pour moi. Mais toi, tu pourras au moins te battre, non? Si tu crois que j'ai le choix, je n'ai plus ma place à l'école.
Mais enfin, réveille-toi, Carmen, nom de Dieu! Ils sont sur le point de fermer ton école! Martha? Bonsoir. Bonsoir, Gabriella. Pardonne-moi d'être entrée dans votre chambre, mais je cherche Martha. Je ne sais pas où elle est passée. Martha? Elle est partie il y a 2 heures. Elle allait mal. Elle avait l'air bouleversée. Maintenant, il faut que je m'en aille, mais... Merci. De rien. Martha, chérie, c'est moi. Je suis inquiète. Je ne sais pas où tu es. Il faut que je te parle, c'est très important. Martha, s'il te plaît, appelle-moi vite. Je t'aime fort. Oh, quand je vais dire à mon père que c'est fini avec Jérôme. Trop tard, il fallait y penser avant. Sylvia avait raison. Ces erreurs, on les garde pour soi. Oui, mais... Je pensais qu'il comprendrait la situation. J'étais sûre qu'il apprécierait ma sincérité envers lui. Et au lieu de ça... Quoi? Tu l'as fait cocu? Et tu veux qu'il te remercie? Je connais qu'une chose qui soit pire que d'être cocu. Ah! Et qu'est-ce que c'est? C'est quand ton mec... Il t'apprend qu'il a fait un enfant avec son ex-copine et qu'il lui a offert de vivre chez lui. J'ai apporté à manger. Vous êtes pathétique. T'es mal placée pour en parler. Les filles, vous devez relativiser. Je comprends que vous traversiez des moments difficiles, mais si vous aviez vu ce qu'ils ont fait au pauvre Alvaro, c'est monstrueux de traiter les gens comme ça. Ça, c'est vrai, ça doit être horrible, la prison. Je le plains, ton petit copain. C'est pas mon petit copain. Ben, c'est quoi, alors? Ce que je sais, c'est qu'il faut que je sorte de là, et vite. C'est pas drôle d'être seule au monde. Ça va. Faut arrêter de dramatiser. C'est décidé. Je vais le prendre entre quatre yeux. Et soit il trouve une solution, soit c'est fini pour de bon. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? J'improviserai. Mais une chose est sûre. Soit il règle tous ses problèmes, soit tant pis, je me fais bonne sœur. Ingrid! Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady peaceful, lady happy, that's what I Nobody loves.
Bravo pour la Corée. C'était bien, tu l'as préparée toute seule? Comme une grande. Ça me détend chaque fois que je suis à bout de nerfs. Moi, quand je suis énervé, je me calme en courant. Parce que la danse, ça me prend la tête. Tu garderas le secret? Et toi? Pourquoi t'es en pétard? Pour commencer, on me fait passer pour le violeur de la télé. Ensuite, on me vire de la série. Et enfin, Sylvia tombe amoureuse d'un trafiquant. Alors moi, pendant ce temps, je souffre en silence. À ton tour. Oh, moi, toujours les mêmes embrouilles. Juan, Diana, son futur môme, son ventre rebondit. Je vais me doucher. Va mieux.